quand elle n'est pas occupée à donner son avis sur les gilets jaunes, Geneviève de Fontenay revient à ses premières amours, les Miss. Invité au micro de Morandini Live lundi 17 décembre, l'ex-président du comité Miss France a tenu à donner son avis, forcément bien tranché, sur la cérémonie qui s'est déroulée samedi 15. Sylvie Tellier, coprésentatrice de la soirée Miss France 2002, a plutôt été épargnée par les critiques, même si, selon la dame au chapeau, il ne faut pas sortir de l'ENA pour présenter des Miss. Autre son de cloche par contre au sujet de Jean-Pierre Foucault, qui devrait rendre le micro, à en croire Geneviève de Fontenay. Selon cette dernière, Marianne James aurait pu animer l'émission, afin de faire écho au jury entièrement féminin de cette édition. Ou à la rigueur Camille Combal. Qui prendra d'ailleurs prochainement la place de l'animateur aux commandes de Qui veut gagner des millions. Une passation de pouvoir mise en scène samedi 15 décembre dans un court sketch. Qui n'a visiblement pas plus à la tôlière des concours de beauté. Il a fait sa comédie, a ainsi reproché de Fontenay à Foucault. Ce dernier n'a pour l'instant pas relevé ses petites phrases assassines.